Qui ne connaît pas cette symphonie, d'une des sagas les plus emblématiques du jeu vidéo? Vous l'avez sans doute deviné, il s'agissait du thème principal de The Legend of Zelda, un jeu considéré tout simplement comme culte par nombreux joueurs à travers le monde, moi y compris. Ce qui n'est pas du tout le cas du jeu que je vais vous tester aujourd'hui. Yo tout le monde, c'est Squad 982. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de Wii Music sur Nintendo Wii, un jeu qui est édité et développé par Nintendo, comme d'habitude. Et c'est sorti en France le 14 novembre 2008, en exclusivité sur la Wii. Donc c'est un jeu de rythme musical, comme vous avez peut-être dû le remarquer avec ma petite intro. Donc là, je vais sortir autre musique, voilà. Donc là, j'étais dans un mini-jeu qui s'appelait Chef Mi, donc où on pouvait, on a le choix entre 5 musiques, hein, dont je vous ai pris The Legend of Zelda, hein, c'est de loin la meilleure musique du jeu. Et en fait, là, on dirige un chef d'orchestre et il suffit juste d'agiter la Wiimote à rythme plus ou moins régulier pour que l'orchestre joue de la musique, quoi. Donc après vous pouvez varier le rythme. Moi j'ai été assez constant dans le rythme pour que vous ayez le vrai thème principal de The Legend of Zelda. Parce que sinon j'aurais pu le faire en plus accéléré ou en plus ralenti avec des pauses si je le voulais, hein. Ça tout dépend comment on agitait la Wiimote. Donc c'est un mini-jeu marrant, vite fait quoi. Allez, on ressort de là, je vais vous montrer un autre mini-jeu. Donc je vous montre les mini-jeux et après je vous montrerai le jeu principal. Mais le test risque d'être assez rapide. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que contrairement à Zelda, ce Wii Music, il est loin d'être culte, hein. S'il y a un adjectif pour qualifier un jeu de plus ennuyant, eh bien Wii Music en fait partie. Bon, bref, je conclurai à la fin, même si j'ai envie de conclure tout de suite, mais c'est pas grave, je vais vous montrer un peu plus le jeu, histoire que vous ayez un avis un peu plus objectif. Donc là, j'ai pris un autre mini-jeu qui s'appelle Gay Carillon. Donc là, il faut qu'on joue avec des sortes de clochettes. Bon, sachant que le jeu, on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, hein, donc on peut brancher jusqu'à 4 Wiimotes, hein, pour jouer jusqu'à 4. Encore faut-il avoir 3 autres fous pour vouloir jouer avec vous à ce Wii Music. Bon, je vais prendre une autre musique, cette fois-ci je vais prendre Mon Beau Sapin. Vous voyez, sur chaque musique, il vous donne une petite description. Et donc la plupart des musiques, hein, c'est des thèmes connus, hein. Il y a des thèmes traditionnels, des thèmes un peu plus folkloriques. Et il vous indique le pays de provenance de cette musique. Donc Mon Beau Sapin, je ne le savais pas, mais apparemment c'est une musique qui vient d'Allemagne. Donc je vais la prendre. Donc là, avant de commencer, donc on peut jouer jusqu'à 4. Vous voyez là, il y a jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer. Donc moi, bien sûr, hein, dans le jeu, c'est entièrement joué avec un personnage Mi, hein, qu'on a créé. Comme bon nombre de jeux Nintendo Party Game. Donc là, on peut changer de cloche si on le désire, hein. On peut, voilà, si on veut pas être placé au début, au milieu ou à la fin, on peut choisir l'ordre dans lequel on veut jouer. Donc option de jeu, vous pouvez voir la difficulté si vous voulez, hein, la vitesse du tempo, hein. Donc j'ai tout mis en normal, on y va. Donc là, vous voyez, je joue avec la Wiimote et le Nunchuk, hein. Avec la Wiimote, je tape avec la cloche rouge. Et si je fais un geste avec le Nunchuk, je tape avec la cloche bleue. Donc moi, il faut que je surveille ma cloche bleue et ma cloche rouge. Pour l'instant, c'est pas moi. Voilà, c'était moi, le bleu. Donc moi, je suis tout en haut, hein, je suis les deux cloches du haut.
Donc là, j'ai pris un thème assez simple, hein, sinon je risque d'être largué assez vite. Hein. Voilà, ça va être à moi. Donc ça rappelle un peu les jeux musicaux de rythme, hein, du même genre. Hein. Un peu comme Guitar Hero ou Rock Band, hein, pour ne citer que. Mais c'est beaucoup plus sommaire. Hein. C'est beaucoup moins complexe. Et ben voilà, c'est déjà terminé. Hein. C'était super fun, hein, vous avez vu ça? 79 points, donc on est noté en fonction de notre prestation. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir 79, mais c'est pas grave. Bon, on sort de là, hein. Donc vous avez vu ce mini-jeu. Ah mince, revoir, ça c'est pour enregistrer une vidéo de notre prestation. Aucun intérêt. Haute musique, bon, je sors de là. Donc voilà, ça c'est... on peut jusqu'à 4, hein, pour avoir le meilleur score entre nous. Hein. Donc, c'est un mini-jeu sympathique, hein, pour le rythme, quoi. Mais bon, l'intérêt est très vite limité. Et enfin, note parfaite, le dernier mini-jeu. Donc on peut jouer jusqu'à 4, bien entendu. Bon, moi je prends mon Mi, hein. Oui, donc là, c'est... en fait, lui, il s'appelle Sébastien. C'est lui qui va nous expliquer un peu comment se joue Wii Music, hein. Donc tous les... toute la jouabilité, bah c'est lui qui nous l'expliquera, hein, tout au long du jeu. Il est un peu relou, hein, quand même. Sa voix m'énerve un petit peu, d'ailleurs. Je vous laisse écouter. Ah, qu'est-ce qui m'énerve quand il parle, lui. Bon, alors voilà, je vais prendre niveau 1, vous avez plusieurs niveaux de difficulté différentes. Alors là, vous voyez, placez le Mi jouant la même note que le haut-parleur sur le podium. Alors là, on teste avec le bouton A, voilà, c'était lui. Donc on le prend et on le met sur le podium. Donc là, c'est une question d'attention sur la musique jouée. Voilà, placez le Mi jouant la même note que le haut-parleur sur le podium, donc pareil. Donc c'est chronométré. Vous voyez en haut à droite, hein, il y a un timer, hein, qui descend, donc il faut qu'on choisisse le... faut pas traîner, quoi, pour choisir le bon Mi qui joue la note que l'on recherche. Placez les membres de la paire jouant la même note sur les podiums. Bah oui, il joue pareil, hein. Donc il faut appuyer sur A, hein, en sélectionnant le Mi en question pour lui faire jouer de la musique, quoi. Donc, vous avez vu l'intérêt, hein, voilà, un mini-jeu de mémoire pour se rappeler bien des... Ah, par contre, là, je m'en rappelle plus. Le plus grave, je crois, ou le plus aigu, je sais plus, j'ai pas fait attention. Ah non, c'était pas lui, vous voyez. Et dès qu'on se trompe de Mi, bah en fait, on perd des secondes sur le timer, quoi. J'ai même pas vu ce qu'il y avait écrit. Oh là là, j'ai même pas vu ce qu'il y avait écrit, mais c'est pas grave. C'était peut-être le son le plus aigu. Voilà, c'est ça. Placé sur le podium, la chanson correspondant à « J'ai perdu mon portefeuille ». Alors là, c'est marrant. Voilà, et eux. Ah bah c'est peut-être eux, hein. Ils sont un peu plus dramatiques. Voilà, plus dramatiques. Voilà, vous voyez, c'est des jeux comme ça, et puis on gagne des secondes à chaque fois, il faut aller le plus vite possible pour marquer le plus de points. Plus on va vite, et plus on trouve les bonnes réponses rapidement, et plus on gagnera de points. Donc voilà, moi je sors de là. Vous avez compris un peu l'intérêt du jeu. Hop, quitter. Voilà, et donc vous avez 8 niveaux au total, hein. Plus le niveau augmente, hein, plus la difficulté augmente proportionnellement, bien entendu. On sort de là. Donc voilà, il y a 3 mini-jeux. C'est sympathique, hein. Voilà, ça diversifie un peu le gameplay qui va être très vite limité, hein, vous allez le voir.
parce que le reste de ce que je vais vous présenter, ça va être très vite. Donc voilà, c'est des mini-jeux sympathiques, et il faudra passer par là, si vous réussissez à finir tous les mini-jeux, vous débloquerez des musiques supplémentaires. Parce qu'au début du jeu, vous n'avez pas toutes les musiques de disponibles, comme le thème de The Legend of Zelda, vous ne l'avez pas dès le départ, il faut le débloquer. Donc ensuite, donc là c'était les mini-jeux, vous avez les leçons, donc là il vous apprend à comment jouer. Donc dans le jeu, faut savoir que vous jouez plusieurs instruments différents. Donc vous en avez une soixantaine hein, d'instruments différents à jouer, mais ils ont une jouabilité très très similaire. Hein. Donc d'ailleurs, il vous l'explique. Vous n'avez que 4 types de mouvements de base à apprendre pour pouvoir jouer tous les autres instruments. Vous avez le piano, vous avez le violon, la guitare et la trompette. Voilà, une fois que vous avez appris ces 4 mouvements, c'est des 4 mouvements différents, vous pouvez jouer de tous les autres instruments vu que la jouabilité sera quasiment identique. Se perfectionner, ça c'est pour vous la débloquer pas tout de suite, hein. Il faut d'ailleurs réussir à enregistrer un certain nombre d'albums, je vais vous montrer après comment on enregistre un album. Voilà, ça permet ensuite de vous entraîner à faire d'autres types de musique avec un style différent. Vous voyez, vous pouvez vous perfectionner dans un autre genre, comme le rock, la pop, le reggae, le classique, l'électro, le jazz, hein, voilà. Donc en fait, ça vous permet de rejouer les mêmes morceaux, mais avec un style qui leur est propre. Hein, donc par exemple, Mon Beau Sapin, vous pouvez le jouer en rock ou en reggae. Ça permet de varier un peu la musique, quoi. C'est une musique complètement différente, ce qui peut être assez marrant, quoi. Voilà, donc ensuite, alors vous avez les albums, donc les vidéos-albums, donc c'est ce que vous allez enregistrer. Je vous le montrerai juste après, vous montrer, mince, c'est pas là. Ah, sortons de là. Jouer, voilà, c'est ça. Donc on peut improviser, c'est-à-dire on fait un peu n'importe quoi, je vous montre vite fait en quoi ça consiste. Voilà, on prend notre mi, on peut changer de mi si on veut, hein, mais bon. Donc là, on peut choisir l'instrument que l'on veut jouer. Donc il y a plusieurs instruments, comme je vous ai dit, il y en a une soixantaine. Hein. Certains sont débloquables quand vous réussissez à finir les mini-jeux dans tous les niveaux de difficulté, quand vous réussissez à le mode perfectionné, là, si vous réussissez à aller vous finissez chaque style dans le mode se perfectionner, vous permet de débloquer de nouveaux instruments. Mais comme je l'ai dit, la différence entre chaque instrument au niveau de la jouabilité est quasiment identique. Donc franchement, vous ne verrez aucune différence ou alors très peu de différence entre chacun d'entre eux. Donc là, vous avez le piano, vous pouvez jouer de la harpe, donc des clochettes, vous pouvez jouer avec une tenue de chien ou de chat, je vois pas trop l'intérêt. Guitare, violon, banjo, qu'est-ce que vous avez encore, trompette, flûte, accordéon, vous avez même eu un cornet, ça c'est super fun, d'ailleurs je vais le prendre. Vous avez aussi tout ce qui est batterie, vous avez plusieurs types de batteries différentes, donc c'est marrant quoi. Allez, jouer avec les profs, ou comment jouer, on s'en fout, allez hop, cornet. Donc là, pour jouer, ça se joue comme la trompette, donc on joue qu'avec la Wiimote cette fois-ci. Donc il faut tenir la Wiimote à la verticale. Et puis, faut pas souffler, hein, donc cherchez pas à souffler dans la Wiimote, ça va rien faire. En fait, pour que le son sorte, vous devez appuyer sur les boutons 1 et 2 de la Wiimote. Voilà, et puis après, si vous maintenez le bouton, la note sera tenue pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que vous lâchiez le bouton adéquat. Voilà, et puis là, vous pouvez faire un rythme, vous pouvez changer de rythme. Si vous voulez que le son soit un peu plus fort, plus aigu, vous redressez la Wiimote vers le haut. Vous voyez, ça fait un son un peu plus aigu. Et si vous mettez vers le bas, ça sera un peu plus grave. Voilà. Oui. Avec les touches directionnelles de la Wiimote, si vous appuyez dessus, votre mi va faire un petit saut ou un petit mouvement sympathique. Hein, voilà, c'est histoire de varier un peu. Et donc ça, c'est à l'infini. Hein, on peut jouer pendant 3 heures comme ça si on le veut. Hein, on fait n'importe quoi. Hein, c'est d'ailleurs ce que je reproche à ce jeu. C'est qu'on peut faire n'importe quoi, on n'est pas du tout noté. Contrairement au mini-jeu où vous avez une note en fonction de votre prestation, dans le mode de jouer, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous jouez comme vous le sentez. Voilà, donc je vais sortir de là parce que c'est complètement répétitif. Autre instrument. Donc voilà, c'est ça que je reproche à ce jeu, c'est qu'on
on fait n'importe quoi. On joue comme. Donc là, je vais prendre orchestre rapide. Donc là, ça vous permet de désigner à votre orchestre directement les instruments qui vont jouer. Personnalisé, bah, c'est là que vous choisissez chaque personnage quel instrument il va jouer. Et vous choisissez la musique sur laquelle vous allez jouer, etc., etc. Donc là, vous voyez, un autre thème d'un jeu très connu, hein, F-Zero. Donc choisir titre. Vous avez plusieurs titres, hein, en tout vous avez une cinquantaine de morceaux débloquables au fur et à mesure que vous jouerez au jeu. Encore faut-il avoir la patience et le courage pour tous les débloquer. Voilà, donc là vous en avez une cinquantaine, hein, vous avez des musiques classiques, le lac, vous voyez, des thèmes cultes, hein, le lac des cygnes, hein, vous avez beaucoup de symphonies mondialement connues, hein. Voilà, Do Ré Mi, à vous dirai-je maman, un thème bien français. Ah, je voulais pas le prendre. Je voulais je vous montre Frère Jacques, hein, voilà. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse. Nanana. Je me rappelle plus de paroles, c'est lamentable. Bref, vous voyez, vous avez un petit niveau de difficulté, voyez, une étoile, c'est-à-dire que le thème musical est assez simple, et 2-3 étoiles, bah, plus il y a d'étoiles et plus la difficulté augmente. Voilà, donc vous avez plusieurs musiques, hein, Mon Beau Sapin, il y a des musiques que je connais pas, c'est des thèmes, il y a des thèmes anglais, hein, des thèmes allemands, la bamba, voilà, mexicain. Donc il y a plein de thèmes sympathiques, hein, qui sont connus depuis des générations et des générations, hein, mais c'est sympa de les réécouter de nouveau. Là, à ce niveau-là, quand même, le catalogue musical de ce Wii Music est quand même assez complet, même si j'aurais préféré un peu plus de musique tiré de jeux vidéo, car il n'y en a pas beaucoup, hein. Là j'en ai débloqué que 3, donc vous avez Legend of Zelda, F-Zero et vous avez Super Mario Bros, d'ailleurs je vais vous le prendre, un thème culte également, hein. Je vais prendre celui-là. Je crois qu'il y a aussi une musique de Animal Crossing, mais je ne l'ai pas débloqué. Donc là vous pouvez choisir la scène, hein, sur laquelle vous allez jouer, hein. Bah tiens, je vais prendre nouveau, celui-là je ne l'ai pas fait encore. Voilà, ok, tour de l'harmonie. Donc là ensuite vous choisissez donc là vous êtes en, comment dire, on va aller dans les options. Donc là vous pouvez choisir le style que vous voulez. Donc par défaut il n'y aura pas de style particulier. Vous pouvez choisir, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Se Perfectionner. C'est les styles que vous, pour varier un peu le rythme musical du morceau que vous allez jouer. Donc là je sais pas, je vais prendre par exemple Latino. Voilà, Latino sur le thème de Super Mario Bros, hein, c'est assez marrant. Donc là, on peut choisir quelle partie on va jouer. Donc on a la basse, la percussion, les accords, la mélodie ou l'harmonie. Donc là, je vais prendre plutôt la mélodie, hein, c'est le plus sympathique. Et là, on peut choisir de quel instrument on veut jouer. Je vais prendre, je sais pas, piano. Je vais prendre la guitare, hein. Je sais prendre, voilà. Ouais, un ukulélé, ça va être sympa ça. Voilà, ok, et c'est parti. Donc là vous voyez, vous pouvez choisir en fonction du style que vous allez choisir, ben en fait vous n'aurez pas forcément tous les membres de l'orchestre qui vont jouer, hein. Dans certains styles vous n'aurez par exemple pas de percussion ou pas de basse. Vous voyez, ça dépend du style que j'aurais choisi. Là vu que j'ai pris Latino, bon, en fait vous avez tous les membres de l'orchestre qui vont jouer. Donc là, ok, et c'est parti, on commence. Voilà, je suis déjà rendu à 20 minutes, j'ai dit que je vais faire court. Donc là on joue comme si on jouait de la guitare, hein. Vous jouez... En fait chaque instrument vous allez le jouer si vous le désirez, bien entendu, hein. Vous pouvez tout faire dans votre fauteuil en bougeant un petit peu la Wiimote, mais pour vous imprégner un peu plus dans l'univers de ce Wii Music, il faut un peu mimer les mouvements d'un vrai instrument. Donc là je tiens la Wiimote un peu à l'horizontale et je joue un petit peu
en faisant des petits gestes comme si je jouais de la guitare, quoi. Donc on peut par contre modifier les sons. Donc pour modifier les sons, vous pouvez également appuyer sur les touches du Nunchuk, les boutons Z et C, ça peut, tout en agitant la Wiimote en même temps, ça vous fait varier le son que vous allez entendre. Vous pouvez également appuyer sur les boutons A ou B, tout dépend de l'instrument que vous allez jouer. Hein. Ça sera propre à l'instrument que vous jouez, ça variera un peu le son que vous allez dégager de l'instrument. Ouais, je peux m'arrêter si je veux. Je peux aller plus vite. Hein. Voilà, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. C'était lamentable. Donc j'ai pas pris le meilleur instrument pour ça, mais bon, voilà. Donc là, après, une fois que vous avez fini le morceau, vous pouvez choisir de conserver une vidéo, donc ou de recommencer. Donc pour conserver une vidéo, donc ça va l'enregistrer. Voilà, c'est du joli travail. Ouais. Donc là, on peut noter notre musique. Notre propre prestation, on peut la noter, hein, si elle vaut 0 points ou alors 100 points, voilà, pourquoi pas, voilà, c'est ça que je repense à ce jeu, c'est que il n'y a pas de notation proprement dit, c'est pas comme un Guitar Hero, un Rock Band ou un autre jeu musical où vous êtes pénalisé quand vous effectuez une mauvaise note ou que vous n'êtes pas dans le rythme. Là, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez changer le rythme, stopper la musique, la reprendre, et à la fin, c'est à vous de choisir combien vous donnerez à votre note, à votre prestation. Voilà, donc j'ai fait n'importe quoi et je peux mettre 100 points si je le désire. Il n'y a pas de game over ou quoi que ce soit dans ce Wii Music. On fait ce que l'on veut. C'est ça que je trouve vraiment lamentable dans ce jeu. C'est que... Où est l'intérêt, quoi? Où est l'intérêt de ce jeu? Voilà, je mets 100 points. C'est comme si, vous voyez, je joue à Devil May Cry 4. Je fais un niveau, je fais n'importe quoi dans le niveau. Je le termine et puis... Bah tiens, voilà, mon niveau, il vaut la note de S. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, j'ai mis 100 points. Hein, donc là, ouais, vous pouvez constituer votre propre pochette pour votre album. Donc là, l'arrière-plan, je peux le changer si je le désire. Hein. Je peux mettre n'importe quoi comme arrière-plan. Hop, voilà. Je mets ça par exemple. Le cadre, on peut changer le cadre si on le désire également. Voilà. Et ensuite, on met les membres de notre orchestre sur la pochette. Voilà. On peut également les agrandir ou les rétrécir, hein, si on le désire. Hop, voilà. Hop. Voilà. Voilà. On peut leur mettre que leur tête si on le veut aussi. Hein. Voilà, mince. Je sais plus comment on fait, je crois que c'est avec les touches directionnelles. Ah là, c'est pour les... Voilà, on peut les touches directionnelles, c'est pour orienter un peu le mi avant de le placer sur la pochette, et dès que c'est terminé, dès qu'on est content de notre petit album, on met fini, créer cette pochette, oui, voilà, on l'a créé, on est tout content. Voilà, donc c'est ça, c'est Sui Music, c'est le fait qu'il n'y a pas de challenge dans ce jeu, il n'y a pas de fun, c'est-à-dire passer les 5 premières minutes quand on a découvert le jeu, ben, on s'ennuie sec, il n'y a pas d'intérêt à jouer à ce jeu. Moi, j'en vois aucun intérêt à jouer à ce jeu. Même en multi, c'est pire. Hein. Je vois même pas qui serait fou pour jouer avec vous à ce jeu. D'ailleurs, il faut être fou déjà pour acheter ce jeu, comme moi. C'est vraiment lamentable. Donc, vous voyez, là, c'est un petit clip musical. Hein. Ça va reprendre le clip que... Enfin, la prestation qu'on a faite, ben, ça a été traduit en clip. Et on peut le conserver. Là, je sors de là. Voilà. Le groupe Squall 982. Magnifique. Et voilà, c'est terminé. Et ça, c'est à l'infini. On peut recommencer, changer le titre, changer la scène, changer l'orchestre, et recommencer tout. Pff, franchement, moi, je me suis ennuyé sec sur ce jeu. Ah bah là, ils nous disent d'arrêter de jouer. Ils ont bien raison. On va faire une pause définitive sur ce jeu. Donc là, je vous montre vite fait. Ah oui, je vous ai pas dit. Bah, vous pouvez également jouer si vous le désirez avec la Wii Balance Board, histoire de justifier un peu l'achat de cet accessoire si vous avez acheté Wii Fit. Donc c'est pour le si vous jouez de la batterie, c'est là où vous pourrez un petit peu varier le plaisir,
le plaisir est un bien grand mot, en jouant également avec la Wii Balance Board, c'est un peu, pour varier un peu le rythme. Donc là, vous voyez les vidéos, Vidéothèque, hein, c'est là que j'ai enregistré les vidéos que j'ai faites. Je ne sais pas si je peux vous la montrer, elle doit être quelque part par là. Donc là, il y a plusieurs morceaux que j'ai enregistrés. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus où elle est. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs morceaux que j'ai enregistrés. Et après, on peut choisir, par exemple, de... Par exemple, j'en prends un au pif. Non, je prends celui-là, voilà, 80 points, ok. Donc là, on peut par exemple choisir de l'envoyer à un ami si on le veut. Ou on peut changer le score hein, en cours de route. Si le score ne nous plaît pas, on peut le diminuer ou l'augmenter. On peut supprimer, c'est d'ailleurs une très bonne idée. Et puis on peut lire, hein, bien entendu, le morceau en question. Voilà, ça fait un petit clip. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur ce Wii Music, hein, c'est que c'est un jeu d'une qualité anecdotique. Je ne sais pas ce que avait derrière la tête Shigeru Miyamoto quand il a fait ce jeu. À l'E3, il l'avait présenté comme étant un jeu révolutionnaire qui va révolutionner le jeu de musique. Hein. D'ailleurs, sur le papier, ça allait être. On pensait que ça allait être un jeu sympathique. Hein. Il est d'ailleurs sorti lors des périodes de fêtes, donc on pensait que ça allait être le blockbuster de la Wii. Et malheureusement. Ils se sont complètement vautrés, hein, Nintendo, hein, sur ce Wii Music. Hein. Shigeru Miyamoto a eu la pire idée en créant ce Wii Music. Hein. C'est un des flops les plus monumentaux de l'histoire de Nintendo. Wii Music s'est d'ailleurs complètement ramassé sur les charts, que ce soit américain, européen, quoi, ou même japonais. C'est un jeu qui s'est pas du tout vendu, car il a été complètement... massacré par la presse spécialisée, par les joueurs qui n'ont trouvé aucun intérêt. Et ça, je suis justifié hein, par rapport à ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Ça n'a vraiment aucun intérêt de jouer à ce Wii Music. D'ailleurs, il est même si vous vous trouvez à 10€, franchement, passez votre chemin. Hein. Si vous voulez un jeu musical, prenez plutôt un jeu comme Dance Dance Revolution ou à la rigueur Guitar Hero. Quoi. Mais ne prenez surtout pas Wii Music. Hein. Dans le dictionnaire au mot ennuyé, franchement, il devrait mettre comme exemple Wii Music. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce jeu. Vraiment très ennuyant. Je vais vous prendre un autre morceau et puis on va se laisser là-dessus. Hein. Franchement, on va mettre rapide hein, histoire de ne pas se prendre la tête. Hein. Hop, voilà, ok. Hop. Voilà. Aléatoire. Ah bah, je prends de la batterie pour terminer. Voilà. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc là, on joue avec la Wiimote et le Nunchuk en même temps et on tape comme un bourrin dessus. Oui, il n'y a même pas de rythme, on fait n'importe quoi. Le morceau continue, hein, il ne s'arrêtera pas pour autant hein, parce qu'on fait n'importe quoi. Donc à vous de varier un peu le rythme si vous le désirez. Ça c'est vous retravaillez chaque morceau comme vous le désirez. Je connais plein de compositeurs qui s'ils voient comment on massacre leurs morceaux, franchement ils porteraient plainte contre Nintendo quoi. Voilà, c'est ça. Aucun intérêt à jouer à ce jeu. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de but précis. Franchement, je crois que la moitié des personnes qui ont déjà quitté la vidéo que je suis en train de faire, hein, tellement ils se sont ennuyés. Et moi, je me suis ennuyé également, mais je suis obligé de vous montrer ce jeu pour vous montrer la médiocrité qu'est ce Wii Music. Quoi. Je suis obligé de vous le montrer pour éviter que certaines personnes achètent ce jeu. Quoi. Pour vous le déconseiller absolument, ne prenez pas Wii Music. Pour l'amour de Dieu, ne prenez pas Wii Music. Vous allez vous ennuyer. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Bon, voilà, terminé. Et ça sera terminé de ma vidéo test également sur ce jeu. Ouf. Bon, allez, je vais vous laisser là. Sur ce, je vous dis bon jeu à tous. Mais ne jouez pas à Wii Music. Je pense que vous l'avez compris tellement de fois où je voulais répéter.
Allez, bon jeu à tous et à la prochaine.